Non. Donc, non. C'est Logan qui te les a préparés. Passeport, lunettes de soleil, c'était tout dans mon sac. Les lunettes de soleil. Et je suis remonté et je suis arrivé dans ma chambre. J'ai dit, bah c'est où ça? Et j'ai ouvert au cercle. Ah bah en fait, j'avais tout compris. Bravo. Mais quelle arme. C'est quoi, t'es magnifique. Bravo. J'ai même pris mon boulot. Allez, ça part, hein. Toujours. Moi, c'était vraiment de garder les pieds de ceux qui étaient devant. Donc voilà, on a fait le job. Hein. Je pense que tous, on a fait le job. Après, ben, forcément, on termine à la quatrième place, donc c'est pas marrant. Mais je pense qu'on voilà, on s'était dit top 5 et ben, on est quatrième. Bon, après, voilà, ça fait un peu chier parce qu'on monte pas sur le podium, mais on a fait le job. Quoi. On n'a rien à se reprocher, je pense. On a fait ce qu'on avait à faire et... Bon, on s'est bien lancé, bon, on aurait pu se lancer mieux, mais on est rentré correctement dans la compétition, puis après c'est pas fini, donc c'est pas grave en ce moment. C'est du bien. Ah, j'en chie là. Ça d'être cinquième mondial, hein. Putain, on va gérer. On va au World Series. Attends, c'est pas fini, parce que demain, je vais parler chinois au bord du bassin. Bien sûr, il y a de frustration aujourd'hui parce qu'on est quatrième, mais en même temps, sur les prévisions qu'on avait dit, on avait dit qu'en fait, il y avait deux équipes qui étaient loin devant. Sur les logique, si vous regardez en fait, sur les temps individuels de chaque nageur, l'Italie et l'Allemagne, et puis on pouvait challenger, mais ils avaient quand même une trentaine de secondes devant nous avec l'endroit. Et on finit à 15 secondes de la médaille d'or et 10 secondes quasiment du podium. Franchement, on n'a rien à regretter sur votre relais, c'est un relais de très très bonne qualité. Vous revenez en fait dans l'élite mondiale par rapport aux derniers championnats du monde, et ça c'est vraiment un très très bon signe. Donc bravo aux relayeurs. Vous êtes en forme, c'est un très très bon signe aussi. Autant sur les résultats en fait physiologiques que vous avez fait en fait de votre stage contre le monde, et autant sur les analyses en fait de la course d'aujourd'hui. Donc voilà, l'équipe de France, elle a des nageurs, elle a la chance d'avoir des nageurs de libre en fait en forme aujourd'hui. Donc, c'est super parce que vous allez pouvoir jouer demain
après Pellemin et puis dernier jour sur 25 km. Donc c'est super quoi. 1, 2, 3. France ! Bref, si tu fais pour mercredi, il faut qu'on le donne mardi matin. Ok. Ouais, d'accord. Après, t'as les... Ça tombe sur moi. Avec pas 6,40 et 6,32. Ouais, ok. Donc c'est petit âge 6 ans. Ouais. Oui, t'avais laissé le choix 6,40. Sachez, me demande s'il peut partir plus tard demain matin. Moi, je veux pas aller tout seul. Pour aller à la piscine avec moi. Du coup, c'était dur un peu aujourd'hui physiquement là. Ouais. T'as morflé où le plus? Les épaules, les cervicales. Enfin, c'était dur là. En fait, sur le moment, c'est pas dur, c'est le après. Ouais. Quand le muscle est refroidi. Sur le moment, avec l'adrénaline, tu sens pas. En fait, t'attends. Comme t'as 20-25 minutes, t'as 5 à 10 minutes où tu complètes. Je fais une micro-sieste. T'arrives à dormir entre chaque plongeon? Moi je dors pas, mais je ferme les yeux et j'essaye de pas penser au plongeon. Ok. Et après tu te réactives tout doucement. Jusqu'à être hyper chaud avant de monter quoi. Ok. Et moi quand je suis dans les escaliers, il faut que je me calme. Si je suis trop parce que moi l'adrénaline ça monte super vite et après j'ai du mal à canaliser mon énergie sur le plongeon. Et la hauteur c'est un truc qui t'a jamais Moi j'ai peur hein. Ah ouais, à chaque fois c'est vrai. Ouais. Bah je me dis le jour où j'ai pas peur, faut peut-être s'inquiéter parce que faut être vigilant tout le temps. Ouais non c'est sûr. Mais oui non j'ai peur, mais je sens plus à l'aise sur une plateforme que sur un plongeon.